Hey, salut à tous, on sort, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une nouvelle arme. Donc aujourd'hui je vous présente le Ray Gun de Black Ops 1. Donc pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui ont joué à Call of Duty, je pense que vous avez tous pu jouer à Call of Duty. Donc voici le Ray Gun. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve assez bien de modéliser pour un début sur GTA 5. Il est très très ressemblant, sauf le seul problème c'est qu'il tire pas les lasers. Bon, c'est un petit problème, mais bon, c'est normal parce que c'est le début de GTA 5 au niveau des modes. Faut savoir que si vous utilisez le mode, vous aurez que le skin, donc le skin qui remplace le pistolet vintage. Donc le pistolet vintage, je crois qu'il avait été rajouté après une mise à jour, je crois. Numéro 3, je crois, là, je sais plus trop. Il était rajouté après une mise à jour, donc vous remplacez le gun par ça et ça donne le ray gun. Et puis le ray gun qui est assez stylé, je le trouve très bien modélisé. Exactement le même que Black Ops 1. Donc je pense que les modeurs, il a pris de Black Ops 1 et il l'a mis sur GTA 5 et ça rentrait bien sur GTA 5. Le seul petit problème aussi, c'est le petit chargeur qui passe par en dessous. Donc alors que le vrai Ray Gun n'a pas de chargeur, mais c'est déjà bien pour le début, en tout cas pour ceux qui veulent s'amuser et changer un petit peu d'arme que toujours d'avoir les mêmes pistolets, etc. C'est assez cool. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye.